Il était une fois Karim Benzema. Tout a commencé le 19 décembre 1987, dans le quartier modeste de Bron-Terraillon, à Lyon. Dès son plus jeune âge, Karim montre un talent exceptionnel pour le football. Il commence à jouer dans le club local de Bron-Terraillon avant de rejoindre l'académie de l'Olympique Lyonnais à l'âge de 9 ans. Rapidement, ses compétences techniques et son sens du but attirent l'attention. Karim fait ses débuts professionnels avec l'Olympique Lyonnais en 2004, à seulement 17 ans. Il devient vite un élément clé de l'équipe, contribuant à la victoire de Lyon dans 4 titres consécutifs de Ligue 1 entre 2005 et 2008. En 2008, il est nommé meilleur joueur de Ligue 1 et remporte le trophée Bravo du meilleur jeune joueur d'Europe, attirant ainsi l'attention des plus grands clubs européens. Et ensuite, un match coup près avec contre-serre, alors que là, Benzema dans ses œuvres, et voilà, Karim Benzema dans ses œuvres pour le 3-0. En 2009, Karim Benzema signe avec le Real Madrid pour 35 millions d'euros. Bien qu'il rejoigne une équipe de stars, il s'impose, en partie grâce à son travail acharné et son talent. Au fil des années, il devient un pilier de l'attaque madrilène, remportant de nombreux titres, dont 5 Ligues des Champions et 4 titres de la Liga. Il forme d'abord un duo redoutable avec Cristiano Ronaldo, puis devient le leader de l'attaque après le départ de ce dernier. Avec l'équipe de France, Karim Benzema fait ses débuts en 2007. Sa carrière internationale connaît des hauts et des bas, notamment une absence de plus de 5 ans en raison d'un scandale de chantage en 2015. Il revient en 2021 pour l'Euro et aide la France à remporter la Ligue des Nations la même année. En décembre 2022, il annonce sa retraite internationale après avoir accumulé 97 sélections et marqué 37 buts. Karim Benzema a également remporté de nombreuses distinctions individuelles au cours de sa carrière. En 2022, il est couronné Ballon d'Or, devenant ainsi le 5e joueur français à recevoir cette prestigieuse récompense. En 2023, après 14 ans au Real Madrid, Benzema rejoint le club saoudien Al-Ittihad. Continue de montrer son talent, marquant des buts et aidant son équipe à atteindre de nouveaux sommets. Karim Benzema est sans aucun doute l'un des plus grands footballeurs de notre époque. Son parcours, marqué par des succès incroyables et des défis personnels, est une source d'inspiration pour de nombreux jeunes joueurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire pour nous dire quel joueur vous aimeriez voir dans notre prochaine vidéo. À bientôt!